cette aventure, je vous jure. Un truc de fou. Bonsoir Karl. Oh, lutin de merde, c'est la caméra. Mais ça va bien, nickel et toi? Aujourd'hui on est à Angoulême, on va récupérer la sainte imprimante 3D. Bon, tu m'as réglé ça bien Karl? Alors je t'ai réglé cette petite imprimante 3D des familles. Ouais. KLM tranquille. Des familles. Ça c'est du bon service imprimante. Hashtag LV3D. Hashtag LV3D, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Karl. Ah oui. Sur YouTube. Ça serait cool, peut-être qu'on dépassera les 20 000 abonnés. Karl sur sa chaîne, il est presque à 20 000 abonnés. Allez, on lui fait péter. Avant la fin de la semaine, on tente les 23 000 abonnés pour Karl. Je suis sûr qu'il y a moyen. Oh, le truc de malade. Je suis sûr qu'il y a moyen. On tente avant la fin de la semaine les 23 000 abonnés pour Karl. Ça serait énorme. Si vous êtes passionné de la 3D et tout, vous allez apprendre plein de trucs sur la chaîne de Karl. Ça va être un truc de fou. Je vais faire des petites vidéos et tout sur l'imprimante 3D. Ça va être bien cool. Ça va être super cool. Ça va leur plaire. En plus, t'avais déjà fait un truc. T'avais pas fait un hand spinner? Ah si, bah si, bien sûr, j'ai fait un hand spinner. Ben oui, bien sûr. Il y a plein de trucs à faire. Il y a énormément de fichiers sur open source. Il y a une idée à la seconde et en fait quand on est un petit peu malin on peut prendre plusieurs fichiers, les assembler et coller les trucs et tu peux faire de très grosses pièces. Maintenant que j'ai réglé ton imprimante, t'as intérêt à faire des lives et des vidéos dessus hein. Oui, oh bah allez, regardez comment il menace. Regardez la menace, ça va Karl? Écoute, je vais faire 2 lives par jour et 3 vidéos par jour sur l'imprimante. Ça te va Karl? Ça c'est carrément 20 en maths. C'est carrément 20 en maths et je crois qu'on est arrivé. LV3D. Salut, on y est. La sainte boutique. La sainte boutique. Allez, let's go. Serait ce magasin, je ferme aide. Ah, ouvert juste pour Jolat. Ça y est, c'est ouvert, VIP, impeccable. Qu'est-ce que tu imprimes donc ici là? On imprime un support mobile pour une imprimante. Salut, bonsoir Karl. Mais quel Karl, Yann. C'est Yann. Non non, je te remercie. Bonsoir Yann, ça mais va tranquille? Quelle est donc cette tenue de touriste? Ah ben, t'as vu ça? Pour vous mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, une impression de hand spinner qui vient de se terminer. C'est juste magnifique. Le roi de la spatule en direct avec Karl. Vas-y Karl. Et t'en as fait tout un tas. Ouais, ouais, c'est un truc de malade en fait. Oh là là. Les abonnés, je vous en ai acheté plein de roulements. Donc maintenant on les vend avec roulement au prix de 9 euros seulement. Ouais. GG. Placement de produit, tu l'as? Placement de produit. Ah, j'ai pas le panneau. J'ai pas le panneau. Ah, dommage. T'as pas le panneau, dommage. Placement de produit. Ah, oh yes. Oh, comment il est petit décollage beau de prise. Arrête, il est en bois? Ouais. Filament bois, hand spinner, filament bois, pièce unique, du filament du bois. Bois LV3D. Voilà, et franchement, il déchire. Voilà. Retrouvez-nous sur YouTube, bien sûr. Sur Facebook, sur Twitter. Toujours, Twitter. Bon, déjà, les gens, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on imprime pour les prochaines vidéos avec l'imprimante 3D? Dites-moi ça, j'attends tous vos commentaires. Et regardez, j'ai réussi à soudoyer Karl. On repart avec une petite bobine en or. Ça tue. Or la chromatique. Yes. Petite bobine qui fait plaisir. La petite bobine qui fait plaisir. Est-ce que tu as des bus pour déboucher ton imprimante? Attendez, parce que là on est en train de m'équiper de A à Z là. C'est quoi ça? Quand ton imprimante est bouchée, tu peux passer ton aiguille dedans. D'accord, c'est fait exprès. Que ça, filament de nettoyage. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ça en fait? Il faut nettoyer ta buse de temps en temps. Du filament de nettoyage. Du filament de nettoyage. Je savais même pas que ça existait. En vente sur le site d'LV3D, bien sûr. Toujours, bah bien sûr. www.lv3d.fr. Ah, bien sûr, de toute façon, on n'est pas chez Intermarché, là, on est chez LV3D. Et je t'emmène voir mon studio, ça te dit ou pas? Allez les gens, dites oui. Bon, bah c'est bon les gens. J'ai récupéré la petite imprimante avec Karl, juste ici. Et voilà. Yes. Et Et les cartouches d'encre. Oh lutin de merde. Et les cartouches d'encre. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je ramène les cartouches d'encre pour le magasin. Ah, faut ramener les cartouches d'encre. On coupera en montage, faut ramener les cartouches d'encre. Ça va pas être coupé, il va me faire. Bon du coup les gens, on est parti dans le studio à Karl. On est dans sa petite voiture tranquille. Bah allez, on se retrouve au studio. A tout de suite. Putain mon vieux. Bah ça y est, il me colle au siège déjà. Eh les gens, pour l'élection 2017, votez Karl président. Imprimante 3D pour tout le monde, surtout dans les collèges et dans les lycées. Et tarte au citron, bien sûr. Lutin de herde. Bien sûr. Pas de gros mots sur ma chaîne. Jamais. Toujours, jamais. Nous sommes en direct ici dans le studio de Karl. Bonsoir Flash. La mascotte d'LV3D. Oh le tellement mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh le tellement mignon. J'ai pris le chapeau à Karl. Alors, hein? On se croira à la coupe du monde là-dedans. Karl président. LV3D président. Et tu fais un live avec lui mon vieux, c'est la fête foraine, c'est un truc de fou quoi. Je crois que je vais m'en acheter des petits sifflets là, tu vois, pour faire les lives comme toi. Avec plaisir. Plagier. Est-ce que je peux te plagier, Karl? J'ai pas déposé les fichiers, j'ai pas déposé le brevet sur les pipipes. T'as pas déposé le brevet, c'est bon? Ok, d'accord. Et ben en tout cas, c'était bien cool les gens. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Karl, LV3D.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao les petits. Bye bye.